bataille pour la troisième place continue. Renault et Estrella-Damm ont opté pour une option tactique totalement différente de celle qu'ont choisi les deux leaders. Les deux bateaux espagnols ont préféré un cap au nord-est, privilégiant ainsi la vitesse. Ils vont réduire leur allure au près, sous laquelle ils sont depuis le franchissement de l'équateur. Après cette option, Renault et Estrella-Damm iront chercher les vents du sud-ouest afin de mettre le cap sur Gibraltar. Weirwater est en réparation dans le port d'Ushuaïa, il ne pourra pas réintégrer la course avant demain. Guys est toujours au près, cap au nord avec du vent de face. Estrella-Damm revient sur Renault, sa vitesse moyenne était de 12 nœuds. Mapfrey passait au milieu de l'archipel des Canaries, pendant que Virgo Klaprek longeait la côte africaine, cap sur Gibraltar.